Le samedi, nous fabriquions l'ancienne identité de marque. Le lundi, nous avons démarré avec la nouvelle identité dans l'ensemble des 3 usines sur tous nos modèles. Je m'appelle Christophe Dridi et je suis le directeur industriel de la marque Dacia. On est ici à l'usine de Mioveni-Pitești en Roumanie. C'est un véhicule toutes les 50 secondes. Et au Maroc, à Casablanca et à Tangier, c'est aussi un véhicule toutes les 50 secondes. Donc c'est en tout 3100 véhicules par jour pour lesquels il a fallu mettre en place cette nouvelle identité de marque. D'un point de vue industriel, ça a été un véritable défi. Ça représente plus de 190 pièces. Donc forcément, c'était un grand défi logistique, un défi qualité bien évidemment, un défi de formation parce qu'il a fallu former en parallèle de la production l'ensemble des opérateurs. Et enfin, un défi commercial puisqu'il a fallu prendre l'ensemble des commandes avant même l'introduction de cette nouvelle identité de marque dans l'usine. Et on a fait cela sans diminuer les cadences de production. Il nous semble que c'est une première dans l'industrie automobile et cela représente bien l'ADN de Dacia, sa souplesse et son agilité. Ce challenge, nous l'avons réussi grâce à un travail d'équipe, de l'amont jusqu'à l'aval. Il y a eu une véritable écoute pour sortir le meilleur résultat à l'heure. Après une année de challenge ensemble, le fameux lundi où on basculait, je reçois coup sur coup 3 photos des 3 usines. Cela représentait une véritable fierté pour l'ensemble des équipes, pour moi aussi, et puis une certaine émotion.